Bon, Nosdormu, c'est le pic ici, mais j'ai encore envie de travailler ma strat Arana. Si jamais je me retrouve dans la merde à devoir choisir ce héros. Je pense que Arana et Galakrond, c'est les deux héros qui sont mauvais, hein, mais qui, je pense, s'ils sont bien joués, sont pas si mauvais. Je pense qu'ils sont un peu sous-estimés. Pas de pirate encore. Voilà, là le plan c'est j'ai trois choix éclatés. Donc je pense que si j'ai Murloc ou si j'ai bête, enfin si j'ai les tokens, je prends. Mais si j'ai pas, je fais triple roll. Donc là on avance, on a besoin de plus que deux pouvoirs. Tour d'après, level up. Et sur le tour 5, je peux acheter un truc et roll deux fois. Ou d'abord roll deux fois, comme ça mon pouvoir il est fini, il y a 7 serviteurs et acheter un truc. Et ensuite c'est all-in lapin. Le problème de cette strat, c'est qu'on est face à Bran et Jandis. Donc on les emportera avec nous en enfer. Une TV 10K plus MMR, une TV 10K moins. TV interdite au moins de 10. Je vais te snipe next game, Tars, je t'en prie. Mais typiquement, là, imaginez, je fais le tournoi, ok? Je fais le Grand Prix. Je lâche un petit message à tout le monde en DM. J'envoie un message, je dis, les gars, je pars lapin. Quoi qu'il arrive, je pars lapin. Je changerai pas d'avis. T'inquiète pas que le Bran, il va pas partir lapin, hein? Il veut pas ruiner sa game. Bon, Jandis s'en bat les couilles, elle pourra juste acheter un lapin, mais... Moi je te dis cash T1 quoi, les lapins c'est pour moi et voilà. Ah. Bon. On va quand même prendre le rejeton. On va peut-être pas partir lapin du coup. J'ai rien dit. Quoi, on peut changer d'avis? Bon, du coup, rejeton éclaté. Peut-être j'aurais carrément pas dû prendre le rejeton et me dire je roll deux fois juste pour avoir le lapin. Un all-in T3 pour en cas de triple choper à fleur l'or avec une idée de méca. Ah, je pourrais me dire dès que j'ai un triple, je vais level up, ouais. Mais si t'avais un 3, t'as moins de chances de faire des triples. Tu prends les deux bombes first pour pas prendre trop cher. Non, non, je prends lapin. Ah, quoique. Non, non, c'est lapin. Je m'en fous de prendre cher si derrière ça m'en remet la possibilité d'avoir plein de lapins. Les bombes, tant pis, hein. Et surtout, il n'y a pas de pirate pour Aflelore, ouais. Faut pas se faire avoir, ça. J'avoue. Et pourtant, je me suis déjà fait avoir, hein, à me dire, oh vas-y, faut level up, choper Aflelore et tout. Et tu te rends compte qu'il n'y a pas de pirate une fois que t'as fait ton level up avec ton triple. Tard, ça fait longtemps que tu as perdu un peu, non? Je fais beaucoup de sport. Mais... J'ai pas encore vraiment. Je sais pas si j'ai vraiment perdu ou pas. Je pense que c'est le fait que ma barbe soit complètement négligée. Après, il faut que j'aille chez le médecin encore. Le problème, c'est que je suis blessé de partout. J'ai pas envie de remettre de lapin dans le pool, hein. Quoique.
C'est un rat le pic, même s'il n'est pas utile pour l'instant. Ok, il n'y a pas de lapin en face. Par contre, Bran, il est encore taverne 2. Donc lui, il fait un peu peur. À mon avis, il est parti lapin aussi. Faut juste lui faire comprendre qui c'est le patron. Quoique, non, il est peut-être juste parti Murloc en vrai. C'est bien avec Bran. Encore un triple. C'est un rat qui dégage, hein. Même si elle est héroïne, tant pis. Je vais pas hésiter plus longtemps. J'étais en train de réfléchir, ouais, je vends le lapin et tout. Que dalle. Ça fait quoi si on a trois lapins dorés? T'as du style, mais ça fait rien. Pourrait commencer à aller prendre les héroïnes. Pourquoi il est taverne 5 lui? Ah, c'est son héros qui veut ça. Taverne 5, tour 7. C'est beau. Et ça continue à mettre des patates. Pas fou du tout ça, en vrai, c'est son objectif. Les héroïnes? Si. Ou alors pas fou du tout le fait de ne pas avoir eu de lapin dans mes propositions. Je pense que si on n'a pas de lapin, vaut mieux acheter héroïne que rien. Bon après, si les boucliers divins se mettent sur l'autre héroïne, ouais, ça c'est pas fou du tout, effectivement. C'était pas prévu. Vraiment pas dingue ce qui est proposé, d'accord. Oui, d'accord. Effectivement, ce qui m'est proposé, c'est pas fou du tout. Ne joue pas contre le chat aujourd'hui, j'aurais bien joué avec toi. C'est pas prévu, non. Objectif, entraînement. Bondisseur est acceptable. On me dit qu'il n'y avait pas de pirate. Donc pas de level up. La bête. Parce que l'eau contaminée avec les héroïnes, c'est pas top. Oh, tout est à chier en vrai.
En fait, le play, c'est de la revendre. Voilà. C'était ça le tour. Deux sensei, hein, pas mal. Eh ben en vrai là, il pourrait juste faire son pouvoir héroïque et acheter trois lapins. Ça serait fort, non? Taverne 6, on se fait plaisir. Contre démon, j'ai pas besoin de prendre la goule. Parfait. Autard, je me demandais, tu as beaucoup de cours de stats à l'école que tu as fait, quelquefois des vidéos en lien. Je connais, c'est juste une matière que tu aimais bien. Alors non, j'ai fait très peu de stats. J'ai fait beaucoup de maths, mais très peu de stats. C'est-à-dire qu'en prépa, il n'y a pas de stats. Enfin, pas dans la prépa que j'ai fait. Et l'école où j'ai une UE de stats. Enfin, j'ai une UE de proba que j'ai validée. Et l'UE de stats, quand j'ai redoublé ma deuxième année, elle est repassée en première année. Et du coup, je l'ai jamais faite en vrai. J'ai dodge. Donc, non, stats, j'en ai pas fait tant que ça. Mais pour le coup, ce que je fais dans mes vidéos, j'essaye vraiment d'expliquer avec des trucs niveau collège. À part. Enfin, pour tout ce qui est. Toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent. Ah, dur. Après, il y a des trucs genre théorie des jeux où ça va chercher plus loin. Et ça, j'en ai fait un peu, c'était super intéressant. Théorie des jeux, j'adore, c'est une de mes manières préférées. Mais directement des stats, non, j'en ai pas fait tant que ça. En vrai, on peut revendre ça. C'est pas mal gardien de bronze parce que ça vole pas le bouclier divin de héroïne. J'ai 7 à HEC, pas le même niveau. Non, non, moi j'essaie vraiment dans mes vidéos de faire des trucs niveau lycée. Après oui, j'ai un diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées, mais mathématiques appliquées, c'est pas des stats. Pourquoi tu achètes les tigres? Bah comme ça mes lapins ils sont plus costauds. Il compte rester au niveau 2 jusqu'à la mort. Yes. Parce que c'est là qu'il y a le plus de lapins. Moi, je veux des lapins, les gars. Ah ouais, la guerre des lapins. On est deux dessus et c'est moi qui gagne. Quoique là, je fais le malin, mais en fait, je me fais bullshit. Non, c'est bon. C'est moi le roi des lapins. Diplôme d'argent m'a appliqué, ça finit joueur de HS. T'as vu, j'ai de la chance, hein?
Là, j'ai soit 2, soit 4 boucliers divins. Souvent 4. Et là, j'ai... Ouais, c'est mieux de la poser. Order, ouais, j'aurais pu booster un peu plus l'attaque, effectivement. Il y a ça qui est osé. Comme plan de jeu. Je préfère pas prendre le risque. Comment ça, trop tard? Pas qu'il se fasse snipe. Pas mal. Il s'est fait snipe, mais pas vraiment. Je devrais mettre une goule dorée plutôt que le hara maintenant. C'est vrai que je peux aller chercher une goule, ouais. À la place de... Ouais. Avoir une goule, ça peut être bien. Bah, avoir goule puis hara, en fait. Mettre la goule en premier, l'hara en deux. Et virer ça. Tant que Bran est en vie, je peux pas remettre des lapins dans le pool pour avoir plus de chances d'en obtenir. Hein. Impossible. Que ce soit ok. Comme ça, c'est pas mal. Je crois. Ça, c'est sacrément pas de bol. Ah, c'est sacrément pas de chance ce qui s'est passé là. Piriner la goule. Ah, moi je pense que c'est ok. Je n'ai peur de rien, sauf des sauts. Menace répliquante est pas bon avec un rat. Je vais changer les deux. Ah ouais, non, mais il a eu plus de lapins que moi. Est-ce que les héroïnes vont faire la différence? Pour l'instant, c'est pas mal. Allez, sur les deux là. Oui.
Oh! Parfait. Ah, faut vraiment qu'il dégage, lui, par contre. On pourra pas aller plus haut, hein, à cause du Bran. Ah, c'est ce que j'allais faire. Il y a combien de lapins? 15. Il en reste 2. Et bah, ils veulent pas venir les deux. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. C'est con, hein, il me fallait juste un lapin en plus à la place du tigre, on était pas trop mal. Mais on s'est un peu fait la guerre avec le Bran, hein. C'est pas forcément intéressant de jouer à 6 serviteurs pour attaquer en deuxième. Si Maverick, t'as raison. J'aurais dû virer le tigre. Oui, si c'était mieux. En plus, il prend des boucliers divins pour rien. J'aurais juste dû le revendre. Bien vu. Et en vrai, c'est quand même un miracle. On va mettre une petite pub. Bon. En dehors du fait qu'il y avait un Bran en face, je pense que c'est la bonne strat avec Arana, hein. La question c'est est-ce que c'est vraiment tout le temps la bonne strat ou c'est juste la bonne strat parce que j'ai pas eu de token. Je pense que si t'as token T1 tu le fais quand même. Hein. Si t'as les murlocs ou les chats au tour 1 tu les prends. Si tu les as pas tu rolls 3 fois, tu level up, tu rolls 2 fois t'achètes. Je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer à Rana. Quand il y a les lapins. Quand il y a les lapins, s'il n'y a pas de mecha je prends jamais à Rana je pense. Mais là c'était pas mal, hein. Imaginez, on a fait top 4 alors qu'on avait genre 7 lapins, 6 ou 7 lapins chacun. Si jamais on s'était pas battu pour les lapins, ce serait mieux passé, hein.